l'harmonium, avec toutes les chansons qu'il y a dedans. Et la première chanson, elle s'appelle Harmonium, c'est un peu une carte de visite pour toutes nos autres qui se retrouvent tous les jours un peu quelque part dans une situation digne d'harmonium, parce qu'on en joue, puis on a des guitares et on chante, et on a des clarinettes ou on a des synthés. La première chanson s'appelle Harmonium et commence comme suit.
tous deux à tout se donner. Et puis la peur est revenue le long d'une avenue, juste un peu plus loin encore. J'y arrive où je m'endors. En avant plusieurs formes, et en songe je m'enivre, et mon corps se délivre, si, doucement, si, lentement, je pense à toi, encore une fois, puis je reviens me rasseoir, et me trouver une autre histoire. J'irai rêver jusqu'à demain pour me suivre le chemin. Au soleil du dernier jour, celui que l'on vit tous les jours, se demandant pourquoi l'amour est mon pied en voici doucement. Mon âme en plusieurs formes, et en son je m'arrive, et mon corps se délivre, si, doucement, si, lentement, je pense à toi, encore une fois, puis je reviens me rasseoir, et me trouver une autre histoire. Comme vous l'avez remarqué, jusqu'à maintenant, on a fait juste du harmonium, mais on va en faire pour la grosse partie de notre spectacle. Pourquoi harmonium? Un groupe des années 70, bon, on est rendu en 91, ça fait déjà presque 15 ans que le groupe n'existe plus. Mais malgré ça, ils sont quand même restés dans l'imaginaire musical, la réalité musicale, en fait, du Québec. Ils restent des grands, des géants de la musique québécoise. Et à ce point de vue-là, même si tout le monde connaît pas nécessairement leurs chansons, je crois que tout le monde y reconnaît un peu de ce que peut être la préoccupation des Québécois dans les années 70, dans les années 80, qui continuera. C'est une chanson engagée à l'égard des vieillards qui avaient un sort X dans les années 70, qui ont toujours le même sort dans les années 90. Vous devinez, ce sort-là, tel que décrit dans la chanson, n'est pas nécessairement très drôle, mais la chanson s'écoute quand même avec un plaisir assez incroyable.
baisser la bête. Thank you.
chanter une drôle de chanson. Thank you.
avance et respire dans l'air. Vers la liberté fraîche et fraîche, je cours retrouver mes amis, où l'amour est permis, où le rêve est. Je suis avec monsieur le petit Luc de La Rochelière. Ça va bien, Luc? Ça va bien. Tu dois être un homme comblé, un homme content. Ton spectacle, ça. Je veux dire, comme premier spectacle là, gros à Montréal. Là. Ça a bien été. Ça a bien été. Ça a même très, très bien été. Je n'ai pas vu ton spectacle. Je vais être franc avec toi, mon cher. Ben, ça m'écœure, mais je vais être franc avec toi, moi aussi. Mais je sais que ça a bien été. Les critiques étaient bonnes. C'est quoi exactement ton spectacle? C'est quoi la philosophie de ton show? Comment la philosophie de mon show, c'est que ce soit un show, disons, qui soit ouvert, dans le sens où on n'a pas pensé à des grosses mises en scène. Si je suis le metteur en scène de mon spectacle. Ouais. C'est juste moi que je m'enseigne, finalement. Et puis, il n'y a pas vraiment de choses hyper très précises. Bon, tu sais, c'est sûr qu'il y a un certain schéma de fond, mais à part de ça, je veux que ce soit un spectacle qui soit disponible aux gens. Et je pense que c'est ça qui s'est passé, dans le sens où les gens, à chaque soir, ont eu un spectacle qui n'était pas le même exactement que celui de la veille, dans le sens que, bon, j'ai essayé de jaser avec eux autres, de rire avec eux autres, de ce qui se passait, tout ça. Rester ouvert à ce qui se passe. T'as pas de texte écrit? Ben, j'ai une couple de petites phrases, là, tu sais. Mais ça, c'est... Couple de jokes, là. ouais, c'est ça, mais à part de ça, non, c'est pas vraiment, tu sais, je rentre dedans, puis je pense que c'est ça qui est le fun. T'sais. Son éclairage est spécial, en tout cas. Oui, bien ça, c'est Bruno Raffi qui a fait les éclairages sur ce spectacle-là. C'est lui qui a fait les éclairages sur l'autre avant. Et puis, on a voulu finalement jouer un peu avec ces ambiances-là. Finalement, c'est comme créer un climat pour qu'il y ait du fun. C'est un petit peu comme ton show de TV, finalement. Tu sais jamais ce que l'interviewé va te dire, donc mon show, je le veux comme ça. C'est bien. Tu en as d'autres shows qui s'en viennent? Oui, bien là, j'en ai en masse là, cet automne. Là, je fais une cinquantaine, une soixantaine de spectacles cet automne, un petit peu partout au Québec. Donc, les gens ont juste à suivre ça, puis à venir voir mon show. Bien, je vais sûrement... Tu te reprendras, mais je retourne à Montréal là, cet automne. Je vais être là, je te jure, mon cher. Et puis, c'est ça. Alors, les billets sont en vente, normalement. OK. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On écoute Luc La Rochelière, 6 pieds sur terre. Luc La Rochelière.
Coppertone enlève enfin les couvertures d'été. Puisque toutes les lotions Coppertone protègent tous les genres de peau avec leur mélange spécial contre les rayons UVA et UVB. Coppertone, un petit quelque chose de spécial entre le soleil et vous. Ce jour-là, pour prendre en faute un détaillant SO, je me suis pointé à l'heure des poules. Avec des moutons! Ouais, je vous dis qu'une odeur comme ça, ça réveille. Ça vous gêne? Que je lui dis pour la faire craquer? Bon, l'odeur de la ferme, ça me rappelle mon enfance. On vérifie l'huile? Vraiment fort. C'est détaillant SO. Ah. Partez en grand avec SO. J'aurais dû amener des cochons. Bon, maintenant, amenez-en des nouveaux clients. Ça, ça ne sera pas un problème. Je te dis, on va aller chercher toute une nouvelle clientèle, puis on va mieux servir nos clients de l'extérieur. Au fait, qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais nous rejoindre même le soir? Le soir? Hmm? Parce qu'après les heures, nos appels pourraient être transférés à nos bureaux de Sherbrooke. Toi, t'as rencontré quelqu'un? Ben non. Quand j'ai appelé Belle pour le déménagement, j'ai parlé à une conseillère. On a discuté de l'entreprise, de nos marchés. Pas très loin d'ici se trouve le royaume merveilleux de la Belle et les Bêtes. C'est Marineland. Joignez-vous à la Belle et aux Bêtes cet été à Marineland, Niagara Falls, Canada, pour vivre un conte de fées. Oui, c'est Louise. Hey, tu sais pas quoi? Je m'en vais faire mon marché à matin, puis je te vois-tu pas la collection cordon bleu? Ben oui, mais je fige là, toi, je te le dis! Louise, 4 beaux nappes. Ah oui, toutes des beaux paysages du Québec à l'aquarelle. Puis sais-tu pour combien? 99 cents chacun. Je te le dis, 99 cents quand t'achètes 2 produits cordon bleu. Ben moi qui n'avais un panier bien plein, je les ai pris, toi, 4. Ben en tout cas, ils sont bien plaisants à regarder, puis toi, ça te rebelle du bien, parce que t'es bien stressée, Louise. La collection et le concours cordon bleu dans tous les magasins participants. Piquet bébé. Dans plusieurs municipalités du Québec, on fait des efforts pour économiser l'énergie. Ici, à Ville-la-Salle, on a installé un nouvel éclairage qui consomme 54 % moins d'électricité sans changer le niveau d'éclairage des rues. C'est une économie de 200 000 $ par année pour les contribuables. Notre électricité, c'est une belle richesse. Protégeons-la. Pour tout renseignement sur l'efficacité énergétique, composez 1-800-ÉNERGIE. Je protège chapeau délicate avec l'écran solaire Bébé Soleil. C'est une formule spéciale résiste à l'eau. Il possède des filtres UVA et UVB. Bébé Soleil, un petit quelque chose de spécial entre le soleil et votre bébé. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup, Marie-Philippe. J'ai oublié de dire tantôt, Marie-Philippe, le mois de la date de ton spectacle. Le mois de juin, oui, on a oublié tous les deux. Le 22 juin? Le 22 juin. Où? À Montréal, en bas de Sherbrooke, Berry de Montigny. On va se trouver. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, M. Luc Larochelière. Excellente prestation ce soir. Merci beaucoup. On remercie aussi M. Marc Pérusse à la guitare, M. Michel Cusson. Revenez-nous demain! Demain, on a encore Michel Cusson du groupe Lusop qui va nous faire une pièce instrumentale. On a Paparazzi, ça c'est les gars, le gars qui a des fois un foulard qui chante ouh, ouh, qui chante oh, oh. Et puis on a Mitsu, Mitsu. Demain, alors, revenez-nous demain, ça va être, que ça va être, que ça va être, que ça va être.
Show vous est présenté grâce à la collaboration du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Prenez la route des vacances, du lundi au jeudi à 20h30. Ici Radio-Québec. Nous espérons, mesdames, messieurs, que vous avez passé une agréable soirée. Voici, avant de vous quitter, notre choix d'émission pour jeudi. Toujours à 18h, les tout-petits retrouveront Passepartout et à 18h30, leur nouveau compagnon d'aventure, Lassie. 19h, le monde merveilleux de Disney présente Demain des hommes, une très belle histoire pleine d'émotions et d'humour. Au premier rang, à 20h, un regard sur la nouvelle agriculture. 20h30, rendez-vous sur la route des vacances où nous irons visiter les îles de la Madeleine. Beau et chaud à 21h, suivi de Images de l'abbé Proulx, une page de notre petite histoire magnifiquement illustrée. Feu vert. Pas marié? Ça, je sais. Je crois que qu'il serait peut-être temps de se dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Declan. Bonsoir, Monique. Max, Monique m'a dit de me dire ça. Paul n'ira pas là-bas si je ne réunis pas le fric. J'ai pensé à 1000 livres par personne. Ça fait cher. Mais s'ils font cette tournée américaine, les ventes des disques risquent de tripler, au moins. Les investisseurs toucheront 20% de la somme avant la fin de l'année, minimum, et ils auront des parts d'une jeune maison de disques, pleine d'avenir. C'est plus personnel que les actions. Et aussi risqué que de flamber au casino. Tu les appelles ou tu veux que je le fasse? Une minute. Je crois que j'ai une idée. Il y a peut-être un moyen de sauver les transactions avec le consortium. Oh, oh, t'es bouché à l'Emery? Notre chef en personne nous a bel et bien ordonné, Max, de cesser toute transaction avec le consortium. Hudson, si Shane ne me fait pas un peu plus confiance, je ne vais pas faire long feu ici. Pourquoi ce projet spatial est-il tellement important? Parce qu'il y a des milliards de dollars à gagner en perspective pour Shane. Ah. Et que c'est un gros coup pour toi et moi. Surtout qu'on l'aura flairé avant tout le monde. Et puis, il faut que je prouve à Léonard qu'il doit faire confiance à mon instinct. J'aimerais pouvoir prendre des décisions. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité, Max? Au lieu de noyer le poisson, ce serait beaucoup mieux. Comment ça? J'ai trouvé ceci dans la voiture en revenant de l'aéroport. Puis-je savoir à quoi ça rime? C'est très sérieux. L'espace, c'est l'avenir, Hudson, et je trouve ça dément. Si j'étais un peu plus jeune, j'irais moi-même dans l'espace. Max! Max, tu es un banquier. Toutes les grandes banques sont déjà sur le coup. Et j'aimerais bien qu'on soit des leurs. D'accord. Quelle est ton idée? Les titres de la PanMed vont bientôt s'écrouler, c'est exact. Sauf si la CE se porte garant pour eux. Exact. Jimmy me doit bien une faveur. Ouais. Et s'il spéculait dessus? S'il en rachetait plein? Tu penses que Jimmy va te dire ce qu'il a sur son compte? Non. Mais l'ordinateur, oui. Ah oui, il n'y a plus qu'à trouver le mot de passe. Facile. Jimmy utilise toujours le nom de son équipe de foot, non? Oui, enfin je crois. Eh bien alors, on va trouver l'équipe. Piccolo, c'est petit. Donc, ça veut dire la secrétaire de la Fondation PanMed, Monique Danvilliers, est à Londres avec un séduisant petit homme. Je vais me trouver une vraie traductrice. Circa. Excuse-moi, Declan. Tu sais ce que Piccolo veut dire? Voudriez-vous me passer, Léon? J'aimerais le savoir. Je ne sais vraiment pas que ça à foutre. Est-ce que tu parles italien? Qu'est-ce qui lui prend? Il n'arrive pas à digérer sa photo en compagnie de Monique. Monique? C'est bien la secrétaire de la PanMed.
Qu'est-ce qu'ils font dans le journal? C'est toute une ébarque, Jimmy. Il y a eu fraude. La fondation va s'effondrer. Dis-moi, est-ce que tu parles italien? Non. Excuse-moi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, piccolo? Tu ne comprends pas, Anna. Ils ont fait tout un tas d'insinuations. Circa, toutes les deux, nous savons que tu n'as fait qu'aider ce gamin et c'est tout ce qui compte. Tu n'as rien fait de mal, alors tâche d'oublier tout ça. Il était si gentil. Est-ce que l'une de ces gentes dames serait intéressée par un bon investissement? Je m'en charge. Ça marche? J'ai essayé tous les clubs de première division, plus leur surnom. Les gagnants du championnat depuis 70, c'est souvent une lampe. Maintenant, je vais essayer les clubs de Londres, avec toutes les combinaisons de cette lettre. Amuse-toi bien. Un millier de livres? Je sais, c'est cher, mais pour participer à la tournée, c'est 30 000 alors. J'aime bien leur musique. C'est vrai? Oui. Pas toi? Si. Eh bien, je veux dire, bien entendu. Et ils ont cette espèce de son un peu rauque qu'avait Dylan quand il est passé à la guitare électrique. Ah oui? D'accord, j'en prends une. C'est vrai? Il faut vivre dangereusement, comme on dit toujours. Super. À quelle heure est-ce qu'il passe? Chérie, pas un mot de cette lettre ne correspond. Est-ce que tu as essayé tous les clubs? Première et deuxième division. T'as pas fait les autres? Non, Jimmy n'aime que les équipes très bien placées. J'avais pensé à Wimbledon, c'est là que Londres a gagné sa dernière coupe. Les Downs auraient vraiment fait un super mot de passe. Mais non. Il y a une chanson, la groupie de Wimbledon. La groupie? Cette lettre, ça va pour le mot de passe? Essaye. Peut-être qu'il s'intéresse plus au football. J'en crois pas, mes yeux. Oui, c'est Declan McConnachie pour Monique Danvier. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas journaliste. Bien, alors dites-lui que je la rappellerai plus tard. Declan, est-ce que tu as vu Jimmy? À la cuisine? Oui, Shane, j'écoute. Jimmy, si tu achètes de la Panmed, dès que le prix sera à 88, on pourra couvrir largement mes pertes. Merci du conseil, Max, je vais y penser. Tu vas y penser? C'est ça. Jimmy, tu me dois bien ça. C'est moi qui t'ai refilé le tuyau. Tu serais toujours en disgrâce si je ne t'avais pas mis au courant de tout ça. J'achète ce que je veux, Max. Non, on est limité par le temps. On doit voir les types du consortium dans 2 jours. Je n'achète pas à 88. Il faut que ça redescende. À combien, Jimmy? Laisse-moi passer. Où tu vas? Je vais me faire une tasse de thé. Jimmy, j'ai besoin de ton aide. C'est pas mon problème. C'est un risque raisonnable, surtout que la CEE va faire grimper les prix. Alors fais donc du fric, puisque tu en as l'occasion. Je ne prendrai qu'à 86. Dans quelle merde tu t'es fourré? Ce n'était pas ton dernier chiffre sur l'écran, hein? Tu as régressé ce mois-ci. Est-ce que c'est vrai, Jimmy? Oui. Bien. Voilà qui devient intéressant. Où est-ce que tu en es? À quel degré au-dessous de zéro est ton déficit? Appelle Hansen, Max. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'est pas question que j'achète avant que ça tombe à 86. Il n'y a que là qu'on arrivera à couvrir tes pertes et mon déficit. Ton chiffre mensuel n'est pas le point le plus important, Jimmy. Si ça chute à 86, on gagne tous les deux. Si tu n'achètes pas à 88, et si la CE ne se porte pas garant, le prix ne cessera de grimper, notre profit va s'envoler et nous perdrons tous les deux. J'ai besoin d'un maximum de fric, Max. Je ne peux pas me permettre de perdre. Moi non plus, connard. Du calme, excuse-nous. Max. Max. Enfin, tu ne vois pas qu'il a le dos au mur. Qu'est-ce que tu suggères? Laisse-le traiter comme il veut. Fous-lui la paix, laisse-le faire. Laisse-le prendre des risques. Il a autant à perdre que nous.
La réunion du consortium est dans 36 heures. Est-ce que tu crois qu'il y arrivera? Ça vaut le coup d'essayer. Le problème, ce sera de convaincre Léonard que tes prévisions sont justes. Ça, j'en fais mon affaire. Jimmy, c'est à toi de jouer. Va jusqu'à 86 si tu peux. Je veux assister à cette réunion. Pas de problème. Je ne pensais pas être si populaire chez Shane Langman. Merci d'être venu me dire au revoir. Ça n'a rien d'une corvée. Tu sais, ça m'a beaucoup plu d'être cité comme ton nouveau compagnon dans ce journal italien. C'est mieux que d'être traité d'infâme gigolo dans François, je pense. J'espère que la prochaine fois, je serai ton fidèle compagnon. Il n'y aura pas de prochaine fois. Pour moi ou pour la Fondation? Je cesse définitivement toute activité de ce genre. Voilà ton taxi. Je t'accompagne. Je me débrouillerai. Merci. Je ne tiens pas à ce que notre photo fasse encore la une. Et j'aime mieux garder une image souriante de toi. Au revoir. À très bientôt. Et ça a toujours un grand retentissement, ce genre de gala de charité. Oui. Bon, d'accord. Il y a deux clients d'assurés. Oui, je te rappelle quand j'aurai le dernier. Ouais, je t'embrasse aussi. Allez, bonsoir. Bonsoir. C'est le concert de charité? Ouais. Paul est déjà passé? Non, en fin de soirée. Tu me l'enregistres, je verrai ça demain. D'accord. Jimmy! T'as l'air bizarre, tu es sûr que ça va? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu dire que tu vendais des actions pour financer la tournée de Paul. En quelque sorte, oui, mais il ne le sait pas encore. Chas, écoute, je pense toujours que c'est un connard, mais tu m'en mets une à gauche. Je suis sur un coup. Si ça marche, je te la prends. Oui, je suis preneur pour la Padmé, mais pas à ce prix-là, c'est trop cher. Venez en vitesse à la baie. Les prix de toutes les chemises à